Et puis soudain, je l'ai plus vu. Donc, vous reconnaissez? Non. Non, non, c'était pas elle. C'est une blague, inspecteur. Ah, bah tiens, voici notre dealer. J'ai dit bonjour, l'inspecteur. Bonjour, monsieur l'inspecteur. C'est des conneries, hein. Je suis pas du tout dealer. Monsieur Deveau. Oui, c'est moi, oui. Le 24 mai de l'année dernière, on a retrouvé le corps de Didier Mazui, 18 ans. Dans un fossé le long de votre propriété. Mort d'un arrêt cardiaque. On sait qu'il sortait de chez vous. Il vous l'a dit? 3 mois plus tard, Brigitte Dorcel et Thomas Weiss, 18 et 22 ans, qui fréquentaient cette maison. Se tuaient contre un arbre sur la grande route à 3 km d'ici. Ils avaient chacun 300 mg d'alcool dans le sang. C'est beaucoup trop, ça. Ils avaient bu? Des témoins ont déclaré qu'ils participaient à une sorte de course automobile sauvage. Ah bon? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bien, ça. Moi-même, je ne conduis pas, hein, David. Et à présent, cette jeune fille. Oui, allez-y, développez. À 200 mètres d'ici. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. 200 mètres, c'est beaucoup. Monsieur l'inspecteur, hein, la vie est ce qui résiste plus ou moins longtemps à la mort. C'est assez normal quand on y pense, la mort. La mort, c'est même plus normal que le reste. Vous êtes content de la vie que vous menez, monsieur Deveau? Oh, pour la juste sincérité, là. Alors, de vous à moi, d'homme à homme, entre quatre yeux. Vous imaginez un seul instant que c'est à vous que je vais faire ce genre de confidence, à vous que je confierai mes peines, mes regrets? Vous avez vu comment vous êtes habillé? Oui, d'accord. D'accord. Mais d'accord avec quoi? Écoutez, nous violons, nous tuons, nous torturons, c'est vrai, c'est affreux. Mais que voulez-vous? Nous sommes riches et puissants. Il faut bien qu'on nous craigne un peu. Il faut bien que de temps en temps... nous le prouvions, ne fût-ce qu'à nous-mêmes. Sinon, à quoi bon? Et l'inspecteur, tout ce qu'il raconte là, c'est pour rire, hein? C'est un comique, hein? Je comprends. Bien, alors si vous comprenez, vous comprendrez fort bien qu'il est temps pour moi de vous mettre à la porte, monsieur l'inspecteur. Vous recevrez bientôt un mandat à comparaître. Ça m'étonnerait. Jay, veillez à ce que l'inspecteur n'emporte rien sur toi.